Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans Solido Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Taverna. Taverna, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui se joue à partir de 12 ans et pour des parties entre 60 et 90 minutes. Donc, dans Taverna, vous êtes des gérants de tavernes dans une ville qui accueille un événement particulier et qui donc va drainer tout un tas de clients. Et donc, c'est le moment de gagner le plus d'argent possible et d'avoir les tavernes les plus prestigieuses possibles. Vous l'avez deviné, on va gagner de différentes façons des points de victoire, et c'est le joueur qui en aura le plus à la fin de la partie qui sera le gagnant. Alors, la partie, euh, comment est-ce qu'elle va se dérouler Eh bien, tout d'abord, il y aura un nombre de tours fixe en fonction du nombre de joueurs. À chaque tour, chaque joueur aura l'occasion de faire une, de jouer un tour, et quand les tours sont terminés, on calcule le nombre de points de victoire, et c'est celui qui en a le plus qui sera le gagnant. Avant que la partie commence, les joueurs vont commencer par prendre possession des différentes tavernes qui euh, composent la ville. Pour prendre la possession d'une taverne, c'est très simple. On va regarder s'il reste une place dans les titres de propriété. On va payer en or le nombre indiqué. Et on va marquer plus ou moins de points de victoire en fonction de l'or qu'on aura payé. Tout simplement. Chaque joueur aura donc... Avant que la partie commence, l'opportunité d'acheter jusqu'à deux titres de propriété, sachant qu'on ne peut pas avoir deux titres de propriété dans une même taverne. Puis les joueurs vont jouer donc le nombre de tours indiqué. Quand cela va être mon tour de jouer, eh bien, je vais choisir un des clients parmi ceux qui sont disponibles. Alors, il y a des cartes clients avec un seul personnage, d'autres avec deux, quand il y en a deux, je choisis le client de mon choix. Donc chaque client appartient à un peuple donné. Donc je vais prendre une petite tuile qui correspond au peuple en cléçon, ici le peuple bleu. Puis je vais placer ce client à n'importe laquelle des tables qui est disponible. L'endroit où je vais le placer a évidemment de l'importance. Tout d'abord, la taverne dans laquelle je vais placer le client eh bien, va, rapporter, va donner de l'argent aux gens qui ont des titres de propriété dans cette taverne. Donc ici, par exemple, ce serait rouge qui gagnerait un petit peu d'argent en fonction du nombre de joueurs. Ensuite, si je place ce client sur une table qui correspond à une couleur de son peuple, eh bien je serai bien vu par ce peuple et je vais augmenter mon influence auprès de ce peuple. On le verra mais à la fin de la partie, plus on aura d'influence sur un peuple donné, plus on aura de points de victoire. Il est à noter aussi que les différents peuples quand on passe certains paliers nous donnent également des bonus. Une fois que j'ai placé le client, je vais pouvoir si jamais il y a un notable dans la taverne où je me trouve, eh bien je vais pouvoir lui donner de l'argent pour l'envoyer dans une autre taverne et effectuer une action qui va dépendre du notable à la taverne où je l'ai envoyé. Alors qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ces notables On a tout d'abord le notaire qui nous permet tout simplement d'acheter de nouveaux titres de propriété et de prendre des parts dans de nouvelles tavernes. On pourra même en voler aux autres. On a l'ambassadrice qui nous permettra d'augmenter notre popularité auprès de certains peuples. On aura la princesse qui va nous permettre de récupérer des tuiles de faveur royale. Ce, ce seront des tuiles qu'on pourra utiliser une fois pendant la partie pour avoir différents bonus. Donc ça dépendra de la tuile qu'on récupère. Et enfin, on aura le gobelin qui va nous permettre de rajouter des enseignes de guildes sur la taverne où on l'envoie. En effet, chaque taverne peut être associée à jusqu'à trois guildes. Alors à quoi ça sert Eh bien, tout simplement. Quand j'ai choisi euh, ma carte, et eh bien le personnage que j'ai choisi appartient à une guilde. Et si je place un personnage dans une taverne qui appartient à la même guilde, j'aurai des bonus. Alors les bonus peuvent être si je joue une guilde avec le symbole de la bière, eh bien j'aurai plus d'argent pour replacer ce personnage ici. Si c'est une guilde avec le symbole de la lyre, cela me permettra d'activer un notable qui n'est pas dans la taverne, mais dans une autre taverne. Le symbole de du grimoire me permet de piocher un nouveau sort. Donc ces sorts, ce sont des cartes que j'aurai en main et que je pourrais jouer une par tour en payant le coût indiqué. Donc elles ont différents effets qui permettent de rajouter des clients ou même de prendre de l'argent à nos adversaires. Et enfin, il y a une quatrième guilde qui, elle, n'a pas de symbole, puisque c'est la guilde des espions, donc elle n'apparaît nulle part. Cette guilde-là me permet, lorsque je choisis un personnage de cette guilde, de remplacer un personnage déjà présent par le personnage que je joue et dans ce cas-là, eh bien je gagnerai de l'influence auprès du peuple que j'ai remplacé donc ici par exemple auprès du peuple vert. Une fois que j'ai joué mon tour, on complète les clients disponibles et c'est au joueur suivant de jouer. Quand on a fait le tour, le nombre de tours nécessaires pour mettre la fin à la partie, on va procéder au décompte pour procédé au décompte, on va ajouter trois choses. Tout d'abord, les points qu'on aura marqués pendant la partie, les points que l'on aura récupérés grâce à l'influence des guildes et un décompte spécial. Pour ce décompte spécial, on va tout d'abord regarder quel est le peuple élu. Le peuple élu, c'est tout simplement euh, le peuple dont on a, retiré, on a retourné une carte. La première carte client qu'on a retournée sera celle du peuple élu. On regardera alors le joueur qui est le plus haut dans cette colonne et il sera le premier à choisir son décompte spécial. Donc il y a cinq décomptes spéciaux qui vont permettre de marquer des points si on a beaucoup de titres de propriété ou bien beaucoup de sorts, et ainsi de suite. Donc je vais choisir ce décompte spécial, marquer les points correspondants, puis ce sera au suivant dans la colonne. Mais le suivant ne pourra pas choisir un décompte qui aura déjà été choisi. Donc il sera important de bien se positionner pour choisir le décompte qui nous intéresse le plus, ou bien priver des adversaires qui auraient des décomptes qui leur seraient trop favorables. Une fois qu'on additionne donc les points de la partie, le décompte spécial et les points d'influence auprès des peuples, c'est le joueur qui a marqué le plus de points de victoire, qui est alors le gagnant. Taverna, c'est donc un joueur dans lequel il faudra bien choisir les clients que l'on va choisir de placer pour gagner de l'or, utiliser les notables correctement pour avoir les bonnes tavernes et puis garder un œil sur le décompte final pour trouver le meilleur décompte possible et être en mesure de le remplir. Voilà, vous savez presque tout sur Taverna, maintenant c'est à vous de jouer.